Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est le jeudi 20 août 2020, 21h03, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, que ça va aller de plus en plus mal. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes préparés mentalement, spirituellement, à faire face à des événements qui vont se succéder. Et vraiment, à une cadence de plus en plus rapide, et des événements qui seront marquants, que ce soit politiquement. Il va en avoir beaucoup politiquement dans les semaines et les mois à venir. On le voit déjà, c'est commencé. Socialement, on le voit aussi. Économiquement, c'est l'hécatombe. Financièrement, c'est la catastrophe. Et il va y avoir plein de changements. Les changements climatiques ne sont qu'à leur balbutiement. Et on ne peut rien y faire. La crise environnementale va nous rattraper. En tout cas, il y a plein de choses qui vont se produire, qui vont arriver de notre vivant, on va être témoin de ça. Et j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être très difficile. Ceci étant dit, on s'en va dans la détente maintenant, faire un tour du côté de Nikola Tesla avec un documentaire vraiment intéressant qui nous provient de la chaîne History que je vais vous traduire. Naturellement, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. C'est un documentaire qui dure une quarantaine de minutes, fascinant, bien fait, c'est en anglais. C'est pour ça que je vous traduis l'ensemble. Je vous fais une traduction générale de ce qui se dit dans ce documentaire-là. Et vous allez pouvoir le suivre et l'écouter en anglais après via le lien que je vous laisse dans la boîte de description, comme je le fais pour les petites vidéos, les capsules ou les documents sur les extraterrestres. Naturellement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous faire tourner la vidéo. Donc, moi, je vous donne l'aperçu de ce qui se dit là-dedans. Puis après ça, une fois que tu l'écoutes, tu vois très bien ce qu'on dit, puis au moment où on le dit. Et c'est vraiment fascinant. Nikola Tesla, un être qui a fini vraiment bizarrement, hein? Un immigrant qui est arrivé aux États-Unis à la fin du 18e, vraiment, vraiment tchécoslovaque, si ma mémoire est fidèle, tchèque, ou slovaque, mais tchèque, je pense, et qui s'est fait quelques amis, mais beaucoup d'ennemis. Un scientifique, un chercheur, un inventeur qui a probablement, qui est mort dans la misère la plus bizarre, la plus étrange, hein, avec tout ce talent, dans un hôtel de New York, et l'histoire est fascinante. Nikola Tesla avait au moins plus de 80 valises et boîtes d'inventions, documents, formules. On parle de son fameux rayon de la mort, hein, Death Ray. Beaucoup de... Vous allez voir dans le document, on nous explique qu'on est allé faire les liens, on a fait les liens. Beaucoup des technologies de l'armée américaine sont soit inspirées de travaux de Nikola Tesla ou directement, viennent directement des travaux de Nikola Tesla. C'est fascinant. La fameuse possibilité d'avoir de l'électricité pour tout le monde, gratuitement. Il avait travaillé là-dessus. Le moteur à induction, naturellement. Le courant électrique qu'on utilise, c'est Nikola Tesla qui nous l'a donné. Entre autres, il y avait une grande guerre entre lui et un autre inventeur américain que vous allez voir dans le document. J.P. Morgan a repoussé Nikola Tesla avec ses technologies de voiture électrique qu'il a créée. Et on va aller, dans le document, on va voir les deux inventeurs de la première voiture Tesla, hein, et qui nous disent que leur voiture, leur création est complètement inspirée des travaux de Nikola Tesla en 1908, déjà. Déjà, on avait beaucoup d'entreprises, de constructeurs qui voulaient s'en aller vers l'électrique, mais naturellement, les grands propriétaires de puits de pétrole, eux, ne voyaient pas ça d'un bon œil. Et on y est arrivé un incident où on a incendié un manufacturier automobile électrique. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire comme vie. On y va tout de suite. Je le laisse tourner, moi, dans le fond, naturellement, de mon écran. Et c'est parti. Donc, on va voir dans ce document-là des gens très sérieux, hein, un astrophysicien, un
un journaliste d'enquête, le biographe aussi de Nikola Tesla. On va voir ces gens-là aussi aller rencontrer un membre de l'armée qui leur parle de cet avion qui a été inspiré par Nikola Tesla. Hein? C'est fascinant. Donc, un documentaire vraiment très, très bien fait. Et on va voir qu'il y a des gens, dont une personne en particulier qui est très proche, qui est le dauphin de Nikola Tesla, qui a une double vie, qui fait ça à l'insu de Nikola Tesla, et qui est payé par l'agence qui est l'agence qui était avant la CIA. Et cet homme-là était payé par ces gens-là. Et cet homme-là, quand Nikola Tesla est mort, c'est fascinant. Lorsque Nikola Tesla est mort, on l'a nommé gérant de l'hôtel où Nikola Tesla était mort quelques heures avant. Pour s'assurer, ben, quand on venait d'apprendre la mort, on l'a nommé tout de suite gérant de l'hôtel pour s'assurer que les gens qui sont allés chercher tous les documents, et on verra qu'il y a un personnage étrange qui est dans ce portrait-là aussi, qui est envoyé par le gouvernement, qui est là au nom du gouvernement pour analyser les documents de Tesla, pour les juger. Et cet homme-là, étrangement, c'est l'oncle de Donald Trump. C'est même pas de la fiction. Tu voudrais écrire quelque chose comme ça que tu n'aurais même pas l'imagination pour le faire. La réalité dépasse la fiction. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant. Ce documentaire-là est bien fait, c'est captivant. On va vraiment au fond des choses. Donc, l'hôtel où il était, c'était quoi? Un laboratoire, peut-être, comme on nous laisse prétendre ici dans le document. Donc, c'est vraiment incroyable, une vie fascinante. Et on est à New York, juste avant de mourir, seul, dans une chambre d'hôtel à New York. Nikola Tesla, l'inventeur, prétendait avoir plus de 80 valises et boîtes contenant sa vie, tous les travaux de sa vie. Tout détaillé, que ce soit de l'électricité sans fil pour tout le monde, à son fameux rayon de la mort, qu'on a appelé le Dead Beam, et que ce rayon pourrait détruire des villes entières. Mais après sa mort, seulement 60 de ses valises ont été retrouvées. Donc pendant des décennies, les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui a pu arriver avec le restant de toutes ces documents, ces travaux que prétendait avoir Tesla? Il disait qu'il en avait plus de 80, on a trouvé 60. Qu'est-ce qui est arrivé avec les travaux de Tesla qui sont dans les valises et les boîtes manquantes? Est-ce que c'est un cover-up gouvernemental? Est-ce qu'elle contenait des secrets? Des secrets qui pourraient changer à jamais la vie, la face du monde? C'est ce qu'on se demande. Mais ces filières-là sont disparues. Et c'est ce dont on va nous parler, c'est surtout de ces 20 filières-là qu'on est à la recherche de qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Parce que les autres, on les a. Donc, c'est ce qui est. Donc, on a l'astrophysicien Travis Taylor, un astrophysicien, et le journaliste d'enquête Jason Stapleton, avec leur ami aussi, l'auteur et le biographe de la vie de Nikola Tesla, Mark Seifer, vont faire cette recherche-là et ces travaux-là. Ils ont conduit une enquête et une recherche exhaustive pour retrouver 20 de ces boîtes ou valises manquantes. Donc, ils ont trouvé quelqu'un qui prétendait les avoir. Donc,
Cypher, le biographe, demande à cet homme-là, est-ce qu'il y a des signatures sur ces documents-là? Le mec il dit, oui, il y en a. Il dit, est-ce qu'on peut les voir? Il dit, non, j'imagine qu'il veut les vendre ou qu'il les garde pour lui, ou je ne sais pas, ou que ce soit peut-être une fumisterie. Donc, est-ce que ces filières-là contiennent les fameux travaux sur le rayon de la mort? Donc, il y a un système de défense globale, et vous allez voir, et c'est fascinant, cette idée-là de Tesla, qui est arrivée dans une partie sombre de sa vie où on l'a, dans les médias, dépeint comme un fakir, une espèce d'escroc avec de la science enfantine et bidon. Et Tesla, dans cette partie de sa vie-là, est devenue plus sombre, et c'est là où il a commencé à inventer et penser et créer ses idées, ses technologies militaires qui sont vraiment plus destructives que ce qu'il avait comme travaux au début de sa vie, qui étaient plus positifs et constructifs. Donc, c'est un rayon. C'est un rayon. C'était pas comme on a essayé de le dépeindre, quelque chose de qui s'en allait dans toutes les directions, là, le rayon de la mort, destructeur. C'était quelque chose de vraiment puissant et précis et qui était concentré dans un rayon. Vous allez le voir dans le document. Et qu'il pouvait cibler des avions et abattre des avions avec le claquement du doigt. Et on va voir plus tard dans le document, et c'est ça qui est fascinant, que Ronald Reagan, une fois élu président, est arrivé avec l'idée d'une défense spatiale, ce qu'on les médias ont appelé le fameux projet ou programme de Star Wars, où on avait justement dans l'espace un système de rayons qui détruisait les missiles qu'on arrivait à identifier, puis qu'on pouvait intercepter et abattre. Vraiment étrange que cette idée-là, hein, qui est venue de Nikola Tesla, ben, se soit retrouvée finalement entre les mains du gouvernement, et qu'en 1980, quelques, parce que Ronald Reagan a fait deux mandats, hein, ben, qu'il soit arrivé avec cette idée de défense spatiale, ou le programme Star Wars. Vraiment, vraiment très, très, mais très, très étrange. Est-ce qu'il avait le secret de la fameuse énergie universelle propre sans fil dans ces boîtes-là? Dans ce processus-là, ils sont devenus convaincus, les trois amis ici, que peu de temps après sa mort, en 1943, des forces obscures, possiblement de notre propre gouvernement, nous disent les Américains, les auteurs, les enquêteurs et les astrophysiciens, ont conspirationné pour rentrer dans l'hôtel. Et c'est là où on a vu, et que vous allez voir plus tard, que cet homme qui travaillait pour Tesla, qui était son dauphin, mais qui avait une double vie, on l'a nommé gérant de l'hôtel le soir de sa mort pour s'assurer qu'on aille chercher ces documents-là avec les forces occultes d'une organisation OSS qui était l'organisation précurseur, celle qui était avant la création de la CIA. Voyez-vous ce que je veux dire? Et les liens de tout ça? Et on est allé chercher ces fameuses filières-là, on les a analysées vite, on a pris ce qui était vraiment le plus important pour l'utiliser dans des forces occultes à l'intérieur du gouvernement. L'astrophysicien nous dit, on a fait tellement de recherches, on est allé à tellement d'endroits, on a fait tellement d'enquêtes, On a trouvé tellement de nouvelles choses à propos de Tesla, nous dit l'astrophysicien, que personne ne savait auparavant de Tesla. Et même les démos qu'on a faites à partir de ces travaux, qui n'ont jamais été faits depuis plus d'une centaine d'années, fonctionnaient très bien.
Et là, il y a encore cette grande question, hein, qui est toujours sans réponse. Qu'est-ce que Tesla faisait, puis qu'est-ce qu'il y avait dans ses boîtes et ses valises manquantes? Donc, ils se rendent à Woodside, en Californie, où ils ont organisé une rencontre avec deux des inventeurs originaux de la voiture électrique Tesla, la fameuse automobile Tesla. Donc, ils sont très excités à cette idée-là, mais ils espèrent qu'ils vont avoir des informations inédites, hein, sur Nikola Tesla ou ses technologies. Surtout les technologies qu'on utilise dans ce véhicule Tesla, qui ont été aussi originellement pensées par Nikola Tesla, voyez-vous. C'est extraordinaire ce que cet homme-là a pu générer comme idée, même si c'est, disons, il n'a pas été capable de mettre à terme toutes ces idées. Ben, l'idée était déjà là, c'est Nikola Tesla qui avait pondu ces idées-là. C'est formidable, c'est fantastique d'avoir une puissance créative comme celle-là. Donc, l'auteur biographe les a envoyés pour enquêter, l'astrophysicien et le journaliste, pour voir qu'est-ce qui a pu arriver aux idées, aux inventions de Tesla aujourd'hui. Et essayer d'avoir des informations de l'intérieur, de qu'est-ce qu'il y avait, essayer de trouver qu'est-ce qu'il y avait dans ces fameuses valises et boîtes manquantes. Donc, pour Travis et Jason, rencontrer les deux inventeurs créateurs de la voiture Tesla, c'est une opportunité unique. S'ils peuvent prouver que l'inventeur du moteur à induction, Nikola Tesla, est encore viable, cette idée-là est encore viable, hein? Il a créé ça, ça a été déposé comme invention, le moteur à induction alternating motor, le 25 février 1896. Mais la composante cruciale là-dedans, c'est le fameux moteur à induction au moteur asynchrone. On va aller voir ça sur ici, 2 secondes, sur Wikipédia, est un moteur électrique à courant alternatif dans lequel le courant électrique, dans le rotor nécessaire pour produire un couple, est obtenu par induction électromagnétique à partir du champ magnétique de l'enroulement du stator. Un moteur à induction peut donc être réalisé sans connexion électrique au rotor. Le rotor d'un moteur à induction peut être de type enroulé ou à cage d'écureuil. En 1824, le physicien français François Arago a formulé l'existence de champs magnétiques rotatifs appelés rotation d'Arago en activant et désactivant manuellement les interrupteurs. Walter Bailey l'a démontré en 1879. En fait, le premier moteur à induction primitif, moteur à induction à courant alternatif monophasé sans communicateur a été inventé par l'ingénieur hongrois Otto Blatty. Il a utilisé le moteur monophasé pour propulser son invention. J'essaie de voir où on nous parle de Nikola Tesla là-dedans. Enfin. Je vois pas. Bizarre, peut-être que vous pourrez me trouver, vous autres, la réponse à ça. Ça semble peut-être pas le bon lien que j'ai sur lequel j'ai mis la main dessus.
va aller voir. J'essaie de voir, mais en tout cas, on va revenir à notre document, mais c'est Tesla qui a inventé tout ça, mais je n'ai pas trouvé le bon lien, je pense. Je vous trouverai le lien pas longtemps après. On va continuer notre document. Donc, les scientifiques de l'époque qualifier les travaux de Tesla de farfelus et même dangereux. Donc là, ils sont rendus à rencontrer ces deux ingénieurs, Martin Eberhard, cofondateur de Tesla Motors, et Mark Tarpenning. Mark et Martin. En 2003, ces deux-là ont cofondé Tesla Motors en Californie. Et depuis lors, hein, naturellement, cette compagnie est devenue, puisque vous savez ce qu'elle est devenue, avec Elon Musk. C'est devenu probablement le constructeur automobile le plus puissant, le plus rentable des États-Unis. Pourquoi vous avez choisi le nom de Tesla, demande l'enquêteur, le journaliste, aux deux cofondateurs de Tesla Motors. Donc, l'idée m'est venue que de prendre le nom de Tesla, que le moteur de Tesla était le bon moteur pour fabriquer cette voiture électrique. Donc, c'est important de comprendre pourquoi on a choisi ce nom-là. C'est qu'on a, on a vu que dans la technologie que Tesla avait pensée, c'était la bonne technologie pour démarrer cette entreprise de voitures électriques. Donc, lui était convaincu que le moteur AC, Induction Motors, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le bon lien, c'est le AC Induction Motor. AC Induction Motor. Pourtant, c'est bien ça que j'avais mis. Qu'est-ce qui est arrivé là? Bon, là, je viens de trouver le bon lien, finalement. Et voilà. Bon, finalement, je l'ai trouvé. Wikipédia, souvent, c'est un petit peu faiblard, hein? Le moteur à induction CA triphasé 4 pôles de Tesla. Pourquoi le moteur à induction du 19e siècle de Nikola Tesla est le choix idéal pour la voiture électrique du 21e siècle? Donc, on nous explique très très bien pourquoi. C'est très très technique. Là, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On ne va pas perdre notre temps avec ça, mais c'est vraiment le moteur à induction de Nikola Tesla, qui était la bonne technologie pour la voiture électrique. Et c'est pour ça que ces deux inventeurs-là, ingénieurs, ont choisi le nom de Tesla pour lui rendre hommage aussi. Parce qu'il a besoin vraiment de recevoir le crédit qui lui est dû. Il était connu de Tesla, de gens comme Martin et moi, des ingénieurs, mais du monde ordinaire, là, de tous les, de le monde de la rue, il n'était pas connu, Nikola Tesla, à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissaient. En 1884, cet immigrant, Tesla, est arrivé en Amérique. Il s'est fait quelques amis, mais beaucoup d'ennemis très puissants. Il a travaillé pour George Westinghouse,
Donc, c'est un Serbe. J'avais confondu les nationalités tout à l'heure. Donc, le Serbe, Nikola Tesla, qui a travaillé pour George Westinghouse, imaginez-vous. Il a créé le fameux courant alternatif qu'on utilise encore aujourd'hui. Et ça avait vraiment, vraiment frustré George Westinghouse, ou plutôt Thomas Edison, pardon. Et lui, il argumentait que son courant direct était le meilleur et que c'était ça qu'il fallait choisir. Donc c'était deux rivaux, hein, Edison et Nikola Tesla. Les deux ont inventé ce vacuum électrique, hein, le direct et l'indirect. Et Edison prétendait que son courant était vraiment supérieur. Et pour le prouver, il est allé même aussi loin que publiquement électrifier des chiens, des chevaux. Mais le système de Tesla est devenu le standard. Et encore aujourd'hui, c'est le système de Nikola Tesla qu'on utilise. Mais toute l'idée d'avoir une voiture électrique, nous dit l'astrophysicien dans le documentaire, ne serait pas arrivée sans Tesla, sans son action de pionnier dans les moteurs à induction, concernant le moteur à induction, entre autres, les générateurs, les alternateurs, tous ces concepts-là pour le fameux AC Power, l'alternatif. Le courant alternatif. Ben, donnez-nous un peu d'informations privilégiées sur comment vous êtes arrivé à faire cette voiture-là. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'est de créer une voiture qui était indépendante de l'essence. On n'était pas convaincus par rapport à quelle technologie serait la meilleure. Et il y avait deux technologies qui nous sont venues à l'esprit. Si on voulait faire une voiture à bas prix, il y avait seulement deux technologies qu'on a retenues. Une de celles-là, c'est la batterie ion et lithium. Et l'autre, c'était le fameux moteur à induction alternative, au courant alternatif, avec une très grande haute fréquence. Et c'est là où Tesla entre dans le portrait, naturellement. Et c'est ça qui nous a fait penser à Nikola Tesla. Et il a naturellement inventé ce moteur-là. Il a écrit déjà des papiers qui sont devenus, qui ont été après ça, qui ont fondé la société automobile américaine. Et que à l'époque, on disait déjà que le moteur à induction à courant alternatif de Nikola Tesla était la bonne direction dans laquelle il fallait aller pour les voitures dans le futur. Et ça, c'est la fameuse histoire, vous allez le voir dans le documentaire, où on voit les manufacturiers. Hein. On est le 29 décembre 1904, où on parle de Nikola Tesla, ses visions sur le futur de l'automobile. Il a écrit ça en 1904. Il a écrit pour les manufacturiers automobiles. Donc, vraiment fascinant. Donc, il avait déjà établi la vision de voiture qui serait propulsée par l'électricité. Et il a dit, selon mon opinion, ça a un grand, grand avenir, imaginez-vous, en 1904. Ben, pas par l'énergie fossile, mais par l'électricité créée par son fameux moteur à induction
au courant alternatif. Et c'était pas une idée unique. Parce que au tournant du 20e siècle, tu as eu Stout Baker et plusieurs compagnies automobiles. Baker Electric Vehicle ont produit des voitures électriques. Et même son rival, Thomas Edison, avec Henry Ford, son ami Henry Ford, se sont mis partenaires pour manufacturer, qui ont conçu des voitures qui étaient beaucoup plus universellement abordables pour les gens. Mais c'était à la même époque où que des rumeurs commençaient à se répandre, que les compagnies, naturellement, de pétrole, hein? Puis eux autres, il y avait plus d'intérêt, naturellement, dans le succès de la voiture traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, à propulsion à essence, hein? Ils ont utilisé des tactiques un peu brutales pour intimider ceux qui étaient derrière l'idée et la construction de ces voitures électriques. Et ces rumeurs-là ont été renforcées quand la fameuse manufacture d'Edison, hein, la grande manufacture, a été détruite par un incendie. Et elle était en plus supposément à l'épreuve des feux. On le voit dans un des journaux de l'époque où on nous montre les titres de ces journaux-là. A été détruite complètement. A été mystérieusement incendiée, détruite en 1914. Est-ce qu'une de ces raisons-là c'était que les idées de Tesla ont été vraiment ignorées parce que ça représentait une menace naturellement pour les grands oligarques des compagnies pétrolières. Imaginez ce qui est arrivé pendant plus de 100 ans, hein? Les guerres à cause du pétrole, la misère à cause du pétrole, la pollution à cause du pétrole et l'espèce d'enrichissement scandaleux, alors qu'on aurait pu rouler depuis plus de 100 ans avec ces voitures électriques. C'est incroyable, pareil. Est-ce qu'il a été la victime d'une plus grande conspiration? Nikola Tesla se pose comme question les trois créateurs de ce documentaire-là. Donc, une de ces conspirations-là, c'est le vol de ces fameuses filières, les 20 caisses, les 20 valises manquantes. Parce qu'on voulait protéger le statu quo. C'est pour ça qu'on a fait disparaître tout ça, parce qu'on ne voulait pas que cette fameuse voiture qui est là aujourd'hui et qui coûte une fortune quand même, qui n'est pas très abordable, la Tesla, encore aujourd'hui. Mais si ça avait été créé il y a 100 ans, il y a 80 ans aujourd'hui, une voiture électrique serait complètement, probablement même autonome et très abordable. Donc nous, on est ici, entre autres, comme ils sont en train de s'entretenir avec les deux cofondateurs, c'est qu'on veut savoir ce qui se passe avec la technologie actuelle qui aurait pu être utilisée ou qui utilise la technologie de Tesla. Ces vieilles idées, ces vieilles inventions, ces vieux travaux. Donc, comme le dit l'astrophysicien aux deux créateurs de la voiture, je ne sais pas si vous le savez, mais les dernières années de sa vie, il a vécu dans un hôtel à New York. Et là, on retourne dans cette partie de sa vie-là, dans le documentaire. Donc, l'idée, c'est que tous ces travaux, toutes ces valises, 80 boîtes, ces documents,
dès qu'il est mort, ont été confisqués par le gouvernement américain. Donc, à peine quelques heures après la mort de Nikola Tesla, en 1943, des agents du gouvernement américain, donc la fameuse OSS, ont pris possession de ce que Tesla prétendait être 80 valises et de tous ses travaux et ses inventions et ses biens personnels. Une fois sécurisé, plus de 200 000 pages de documents ont été montrés à une personne nommée par le gouvernement pour une évaluation. Imaginez-vous, c'est bizarre tout ça. Mais après avoir regardé rapidement la montagne de documents et de travaux et d'écrits de Nikola Tesla, la personne a regardé ça en à peine quelques heures. John G. Trump, l'oncle du futur président des États-Unis, imaginez-vous Donald Trump, a déterminé que les travaux et les documents de Nikola Tesla avaient virtuellement aucun intérêt significatif, aucune valeur stratégique ou militaire, aucune valeur pour le pays. Est-ce que John G. Trump était vraiment authentiquement aveugle de tout ce potentiel et toute la valeur potentielle de ces documents de Nikola Tesla, ou est-ce qu'on lui a dit de complètement rejeter les travaux de Tesla pour qu'on puisse plus jamais en parler et partir avec les documents? Et tout ça fait par des gens qui avaient plutôt intérêt à garder ça secret pour des questions stratégiques. Imaginez-vous, vous arrivez, comme nous dit un des cofondateurs de la voiture Tesla, dans une montagne de documents. Vous êtes en train de regarder une montagne de documents de quelqu'un qui était absolument génial et quelqu'un qui avait déjà fait des centaines d'inventions vraiment importantes et que tu regardes ça en quelques heures et tu détermines puis tu conclus que il n'y a rien de bon là-dedans. C'est vraiment, vraiment louche tout ça. Et ça vient des créateurs de l'automobile Tesla, là, pas de deux hurluberlus, qui disent que ça n'avait pas de sens, que John G. Trump a conclu qu'il n'y avait rien de valeur là-dedans. C'est complètement, waouh, renversant. Ils ont été comme vraiment, vraiment renversés, comme on l'a été, que l'idée que quelqu'un puisse passer à travers tous ces travaux-là en quelques heures, John G. Trump, puis déterminer que il n'y a rien là-dedans. Donc, ces deux créateurs-là ont naturellement chez eux, dans leur garage, la deuxième génération ou la deuxième voiture Tesla qu'ils ont créée. Et ils vont aller faire une petite tournée dans cette voiture-là. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir cette voiture-là, une belle bagnole quand même. Mais de comprendre ce qui s'est passé, c'est vraiment important aussi. Que le soir de sa mort, on soit tout de suite allé chez, à l'hôtel où Nikola Tesla était logé dans les dernières années de sa vie. Puis on a envoyé des gens vraiment, vraiment obscurs d'une agence qui est devenue après ça la CIA, s'emparer
de ces papiers-là, de ces documents. Pourquoi? Si c'était sans valeur, c'est ça qui est complètement mystérieux. Donc, pendant que Travis et Jason continuent leur enquête pour trouver les liens entre Tesla, le gouvernement américain, l'armée et ainsi de suite, avec son fameux moteur à induction, courant alternatif, leur ami et partenaire Mark Seifer, le biographe de Nikola Tesla, est à Washington, lui, D.C., et a arrangé un meeting, une rencontre avec Kevin Leonard, qui est le président du Leonard Group Incorporated, qui croit bien que les documents manquants de Nikola Tesla n'ont pas juste été perdus ou oubliés ou cachés, mais ont été délibérément volés pour servir certains intérêts secrets. Donc, il l'a rencontré parce que, apparemment, il a trouvé le lien qui manquait entre cet événement-là, la mort de Tesla, la disparition le soir même de ces documents et le gouvernement américain. Il dit, j'ai trouvé la connexion que vous êtes à chercher avec le service militaire. Ça, c'est dans les archives nationales. Ça fait partie de la collection de Sarah Clark. Donc ça, c'est un officier stratégique de l'armée américaine. Ça, c'est la connexion que vous êtes en train de chercher. C'est celle-là. James Murphy, il était dans l'OSS. Donc, on voit le document où on confirme une conversation avec Nikola Tesla. Donc, ça veut dire que Blois Fitzgerald, et c'est le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le protégé de Nikola Tesla, mais qui travaillait pour l'OSS, il a contacté l'OSS, donc ce gars-là, Blois en question, a contacté l'OSS pour leur parler de Nikola Tesla. Donc, au début des années 40, Blois Fitzgerald, c'était un jeune et fougueux ingénieur, et c'était aussi un protégé de Nikola Tesla. Et Tesla lui a donné un accès complet à presque à tous ses travaux. Il a donné un accès à tous ses travaux les plus secrets. Et ses designs. Mais sans que Tesla le sache, que son protégé en qui il avait confiance, en plus de travailler pour Tesla, il recevait aussi un chèque de paye. Il recevait aussi un chèque de paye de l'armée américaine. Et est-ce que Fitzgerald a utilisé sa position de confiance avec Tesla pour fournir l'armée américaine d'informations privilégiées à propos des inventions et des travaux non publiés de Tesla et ses inventions? Et est-ce que c'est aussi pour ça que quelques heures après la mort de Tesla, Fitzgerald s'est présenté comme le gérant de l'hôtel. Donc, il voulait s'assurer que toutes ces filières et ces documents-là ne tombent pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais les siennes.
Donc, c'est vraiment incroyable ce qu'ils trouvent dans le document. Donc, ça relie vraiment, ça lie vraiment les travaux de Tesla à l'intelligence militaire, au service de renseignement militaire. Et pas juste le côté domestique, mais le côté militaire. Donc, cette découverte-là, de cette lettre-là, qui lie Blois Fitzgerald, qui était le protégé de Tesla, et sa relation aussi avec l'OSS, les précurseurs, l'Office of Strategic Service, l'OSS, qui étaient les précurseurs de la fameuse CIA. Est-ce qu'on vient d'ouvrir la porte? On vient d'ouvrir la porte vers des multiples possibilités ici concernant les travaux, les dernières années de Nikola Tesla. Et ce qui est arrivé avec ces fameuses filières manquantes, ces dossiers manquants, ces valises. Donc, comme les accomplissements connus de Tesla ont contribué grandement au monde entier, est-ce que c'est possible que ces expérimentations plus secrètes, incluant son fameux supposé rayon de la mort, Death Ray, et avaient vraiment une plus grande valeur pour le gouvernement américain qu'on pouvait le prétendre? Donc, selon le biographe, c'est le document qu'il vient de recevoir de cet homme-là, hein, concernant les liens de Fitzgerald, sont vraiment, vraiment trop importants. Donc, il va rappeler ses deux amis qui étaient en train de faire d'autres recherches, hein, et ils vont tourner leur attention maintenant sur le militaire. Et il dit, j'aimerais que vous continuiez à chercher et chercher à creuser. Incroyable. Donc, on est rendu à Woodside, encore en Californie. On retourne voir les deux cofondateurs de Tesla qui sont en train de présenter la deuxième voiture. C'est la deuxième voiture Tesla jamais construite et on la voit dans ce document-là. Donc, Jason et Travis vont aller se promener dans la deuxième voiture fabriquée de Tesla. Donc, ils sont curieux de voir comment les deux ingénieurs ont utilisé la technologie de Tesla dans cette voiture-là. Donc, si Tesla voyait ce qu'on a fait aujourd'hui, il reconnaîtrait tout de suite sa technologie et son moteur, son concept. Donc, ils vont ouvrir le coffre arrière où on voit la grande batterie. Donc, ça, c'est le. Donc, le moteur est en dessous de cette grande batterie. Donc, le fameux moteur à induction de courant alternatif est vraiment supérieur pour une automobile que le moteur à combustion. Donc, le fameux moteur à induction, tu peux l'utiliser pour produire une puissance incroyable et plus contrôlable aussi. Une motion, un mouvement beaucoup plus en contrôle. Donc, ils s'en vont faire un petit tour avec la fameuse voiture Tesla. Ça doit quand même être assez excitant.
Le design est formidable, c'est une belle voiture, puissante, apparemment très puissante. Ils peuvent aller de 0 à 60 000 à l'heure en 3,6 secondes. Donc, elle peut aller jusqu'à 125 000 à l'heure aussi. Et quand ils veulent dépasser quelqu'un, il y a une puissance instantanée dans ce moteur-là. Donc là, ils vont faire un petit essai et il va pousser la voiture un peu à son maximum. Donc l'accélération est apparemment incroyable. Donc dans la valise, dans le coffre arrière de la voiture, c'est vraiment une merveille d'ingénierie. Après, en dessous d'un module très puissant électrique, il y a une version moderne du fameux moteur à induction de Tesla. Donc, ça fonctionne avec une transmission à quatre vitesses, très simple. Et cette transmission-là est connectée à une batterie à lithium. Et cette batterie-là contient plus de 6 800 cellules. Et est capable de livrer plus de 2 000 kilowatts de force. Donc, cette puissance-là permet à cette voiture-là, cette voiture originale, la deuxième, de passer de 0 à 60 000 à l'heure en 3,6 secondes. En 3,9 secondes, pardon. Et une vitesse maximale de 125 000 à l'heure quand même, ce qui est énorme. Mais avec les nouveaux modèles de Tesla, on peut aller jusqu'à 250 000 à l'heure. On a vraiment sophistiqué la bagnole. Et ce qui m'intrigue, nous dit le journaliste d'enquête, qu'est-ce que Tesla penserait s'il venait aujourd'hui et voyait ça? Et que son nom est utilisé pour cette voiture-là. Il serait probablement très excité. Il dit, j'espère que oui. Et pourquoi on a nommé la compagnie en son nom, par son nom? Il avait des idées incroyables. C'est lui le vrai fondateur, dans le fond, le créateur de ce moteur-là. Il avait vraiment des idées futuristes. Des idées que tu ne pouvais même pas comprendre à l'époque. Et c'est pour ça qu'il a été souvent un peu traité injustement, hein? Comparé à un fakir ou à un magicien. Et même des gens qui ont pensé qu'il était fou aussi. Mais il est mort tellement pauvre, sans argent. Mais vous avez été capable de prendre cette technologie-là, et ces principes-là, et ces idées-là, et vous l'avez pris ça, et vous avez en effet quelque chose de très rentable. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais été capable de faire lui-même, Tesla. Il dit, c'est parce que nous, ici, dans la Silicon Valley, on a un écosystème qui nous permet de faire une chose pareille. Et on a beaucoup. La Silicon Valley est remplie de gens vraiment, vraiment intelligents, astucieux. Et ici, il y a un système incroyable qui permet, avec des idées comme celle-là, d'avancer très, très loin. Ils sont là pour t'aider. Et il n'y avait pas ça à l'époque de Tesla. Il n'y avait pas ces avantages-là. Et d'autant plus qu'on avait plus des ennemis du côté de Tesla parce que sa voiture, entre autres électrique, son idée de la voiture électrique était menaçante pour les oligarques du pétrole. Donc, ce qu'on pense aussi, pourquoi les idées de Tesla n'ont jamais vraiment vu le jour, c'est qu'il y avait vraiment un manque de financement disponible.
Mais il y en a d'autres qui pensent plutôt que, il y en a plusieurs qui pensent que l'inventeur Tesla était la cible d'une conspiration beaucoup plus grande et qui a travaillé pour le discréditer. On l'a comparé, on le voit dans les journaux, à un fakir, à une espèce de... Il remplit des promesses. Et puis, il y a des promesses qui ne sont jamais remplies avec Tesla. Il n'y a rien qui marche, patati, patata. Et donc, on le voit revenir de ça. De leur petite balade en voiture électrique. Donc, il explique, l'astrophysicien, que c'est une voiture vraiment puissante. Tu vas de zéro à une puissance incroyable en un claquement de doigts. Donc, comme nous dit le journaliste Jason, ça a été vraiment une chance unique de parler à ces deux cofondateurs de Tesla Motors. Parce que c'est deux hommes qui ont fondamentalement changé le monde. Et la chose la plus fascinante, c'est qu'ils ont utilisé la technologie de Tesla. Et ils ont reconnu ça et ils lui ont donné crédit. Depuis le début, ils ont donné un crédit incroyable. Donc, ça, c'est au niveau de l'automobile. Maintenant, on va aller faire le. Ils vont se rendre du côté plutôt des recherches du côté militaire. Donc, ils retournent à Washington pour aller retrouver leur comparse, le biographe de Tesla, qui a eu cette connexion, cette lettre, hein, où on voit ce qui est arrivé vraiment, qui était ce bonhomme, Fitzgerald, qui il était exactement. Donc là, ils sont de retour, les trois, pour une rencontre importante pour que le biographe puisse leur divulguer, lui leur divulguer, ce qu'il a eu comme information. Donc, il lui demande comment était le moteur Tesla. Donc, ils nous ont vraiment expliqué, les deux ingénieurs qui ont bâti ce concept-là sur les travaux de Tesla. Et quand ça a été conçu par Tesla dans 1882, 1882. Donc, il dit la raison pour laquelle je vous ai ramené ici à Washington. Là, il dit, je veux qu'on porte notre attention sur le côté militaire. Kevin Leonard m'a donné un papier incroyable, un document incroyable, qui relie Tesla à l'OSS. Donc, il nous a montré une lettre qui était vraiment à droite de l'OSS. C'est les services de renseignement militaire. Et on demandait à cet homme-là, qui était le protégé de Tesla, de leur donner des documents puis des informations sur les travaux de Tesla. Donc, il dit, qu'est-ce qu'ils font avec Wrightfield quand ils veulent avoir des documents que Tesla a? Donc, ça a été estampé en 1945, le document qu'ils ont trouvé dans les archives nationales. Donc, ça a sûrement été généré quelque temps avant. Donc, l'armée demande des documents de Nikola Tesla. Donc, ce gars-là, Wrightfield, c'est vraiment, il écrit en plus, il contacte l'OSS, et ça, c'est les précurseurs de la CIA. C'est vraiment intéressé, il est vraiment intéressé
dans ses informations de Tesla, dans ses documents de Tesla, dans ses travaux de Tesla. Et il pense qu'il a... L'OSS pense que ce gars-là a ces documents-là. Donc, est-ce que c'est possible que l'OSS, les précurseurs de la CIA, ont été les agents responsables le soir de la mort de Tesla, ont été les responsables de la confiscation des travaux de Tesla, de sa chambre d'hôtel, le soir de sa mort? Mais si oui, pourquoi l'expert envoyé par le gouvernement, l'oncle de Donald Trump, John G. Trump, a déclaré que les travaux étaient sans importance, sans valeur? Vraiment intéressant. Mais les services de renseignement militaire étaient de plus en plus intéressés par les travaux, naturellement, de Tesla. Donc, dans les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale, on parle même ici, on voit dans le 17 décembre 1943, les Alliés pensent que les Allemands ont une arme secrète, une espèce d'antidote pour la suprématie. Est-ce que c'est... Les nazis se concentrent sur des bombes qu'on appelle « death ray ». Vraiment, vraiment hallucinant. Est-ce qu'il y avait d'autres technologies militaires sur lesquelles Nikola Tesla travaillait, demande Jason, le journaliste d'enquête. Parce qu'au début de sa carrière, c'était plus les travaux de Tesla au début de sa carrière, c'était plus à propos du courant alternatif, par la transmission sans fil aussi, du pouvoir illimité pour le monde et les communications. Et les communications pour le monde. Et ça explique pourquoi il y a eu tellement de problèmes avec l'establishment et les hommes d'affaires et les corporations de l'époque. On voulait garder ça tranquille et secret. Après l'échec de Tesla d'avoir essayé de convaincre J.P. Morgan, hein, qui lui avait dit « Si tu n'as pas d'argent à faire avec ça, si ta voiture électrique, il n'y a pas de compteur après », il dit « J'en veux pas ». Et de continuer à financer son projet de produire de l'énergie illimitée à cette espèce de Warden Cliff. Donc, Tesla est devenu une victime d'attaques dans les médias, une campagne de salissage où on l'appelait le fakir. Donc, les puissants ennemis de Tesla ont commencé à répandre des saletés sur Tesla, que Tesla était un charlatan, un fumiste, un arnaqueur, mais que ses inventions non seulement étaient inutiles, mais ne fonctionnaient pas, et qu'elles étaient complètement fausses. Donc, ces attaques-là ont forcé Tesla à se refermer sur lui-même encore plus, se retirer encore plus de la vie publique. Et selon certains, c'est ce qui l'a mené aussi à concentrer ses énergies, à développer des technologies qui ont l'air plus pensées et dessinées pour la guerre que pour la paix. Et c'est là où ça devient intéressant. À cette partie de sa vie, c'est comme s'il était passé, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de la lumière à la noirceur. Donc, quelqu'un de plus sombre et des technologies beaucoup plus sombres.
comme par exemple toutes des technologies qui pourraient être utilisées dans le domaine militaire. Donc, dans la Première Guerre mondiale, il annonce il avait déjà parlé qu'il avait une espèce d'arme avec un rayon très puissant qui pourrait abattre des avions entrant dans le pays et arrêter des bateaux aussi d'arriver. Et c'est là où il a commencé à changer. Donc, il a révélé probablement la première fois qu'il travaillait avec des idées vraiment top secrètes. C'était possible avant ça. Et il est allé naturellement underground avec tout ça. Et il est disparu jusqu'à les années 30. Et il est réapparu. Est-ce qu'il est revenu parce que la Deuxième Guerre mondiale était en train de se préparer et l'Allemagne était en train de. Adolf Hitler était en train de monter en puissance? Il dit, je pense que oui, c'est exactement la raison pour laquelle il est revenu. Il était au courant qu'Adolf Hitler était en train de prendre le pouvoir. Il a décidé de revenir. On voit ici le fameux document des particules de ce rayon de la mort. Ça, c'est un document top secret qui est révélé pour la première fois. C'est immense, c'est gros. En 1934, Nikola Tesla a réintroduit son fameux rayon de particules en l'appelant ou en le renommant Téléforce. La presse, naturellement, a tout de suite qualifié ça de rayon de la mort. Et c'est un terme qui avait frustré l'homme de 70 ans. Parce que lui avait pensé à ce rayon-là, Téléforce, comme étant une arme défensive et non pas une arme offensive. Pendant la prochaine année, Tesla a offert Téléforce à toutes les nations qui voulaient l'utiliser. En 1935, après avoir été. Après qu'on ait refusé publiquement l'offre de Tesla, l'Angleterre et les États-Unis ont publiquement rejeté l'offre de Tesla. Il a eu une entente, un deal avec l'Union soviétique. Alors qu'il n'y a aucune évidence qui existe que l'entente ait été finalisée, jamais finalisée, il n'y a aucune évidence de ça. Aucun prototype de Téléforce ait été conçu, ou qui a jamais existé. Quand les gens pensent à ce rayon de la mort de Tesla, ils pensent à un gros, 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 gros engin de Tesla, qui envoie du voltage partout et partout. Mais ce n'est pas ça du tout l'idée et l'invention de Tesla. Quand Tesla décrit son rayon de la mort qu'il appelle Téléforce, ce n'est pas ce que c'est. Qu'est-ce que Tesla raconte? Il a inventé une arme qui transmet une énergie dans un simple et unique rayon, vraiment minuscule, et à de longue distance. Et le rayon reste de la même grosseur jusqu'à 200 000 de distance, où il peut détruire, où il peut détruire 250 avions s'il le veut avec ce rayon-là. Ça sonne pas du tout. Ça a un espèce de coil de Nikola Tesla avancé qui peut envoyer une étincelle
de voltage, comme une espèce d'éclair, ou non. Il dit, j'ai jamais vu ça, autant de détails dans des documents que ce que je suis en train de voir maintenant. Donc, en 1980, quand Ronald Reagan a annoncé qu'il était pour concevoir un système de défense, hein, spatiale, ce qu'on a appelé Star Wars, ils étaient en train d'essayer de faire la même chose, de construire une base spatiale avec une arme chargée de particules, utilisant les idées vraiment similaires à Nikola Tesla de son fameux Téléforce. C'est fascinant. En 1983, quand les armes nucléaires ont commencé à s'accumuler des deux côtés du rideau, l'Union soviétique et les États-Unis, quand ça commençait à être vraiment, vraiment intense, le président Ronald Reagan il a proposé une initiative de défense pour protéger les États-Unis contre des possibles attaques. Une année plus tard, la fameuse Strategic Defense Initiative, ou SDI, était née. Et on l'avait qualifié dans les médias, hein, cette initiative-là, on l'avait qualifié de Star Wars. Une de ces composantes comprenait un rayon de particules, imaginez-vous, qui pouvait détruire des missiles entrants. Est-ce que vous comprenez-vous les similarités entre ces deux systèmes-là? Entre la conception et l'idée de Tesla, son fameux rayon Téléforce, et le fameux SDI de Ronald Reagan. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'on avait déjà au gouvernement américain tous ces documents-là de Nikola Tesla? Et où est-ce que ce fameux gouvernement américain, hein, avait déjà accès à tout? À toutes ces fameuses filières et valises perdues de Nikola Tesla. Et un petit peu plus tard, hein, étape par étape, les utiliser quand le moment est opportun. Incroyable. Donc, le fameux programme américain SDI, le système de défense, hein, Star Wars, ben, inspiré probablement des travaux de Nikola Tesla. Et il y a une autre invention, une autre idée de Tesla qui fascine les trois amis ici. Est-ce qu'il y a une technologie maintenant, Jason demande, est-ce qu'il y a une technologie actuelle que les militaires utilisent et qui peut, d'une façon ou d'une autre, être reliée à Tesla? Par exemple, il va en montrer une. C'est comme, encore là, une idée de Nikola Tesla qui est comme une espèce d'hélicoptère, mais qui peut se transformer en avion aussi, ou vice-versa. Donc, c'est un hélicoptère qui peut se transformer en avion. Il dit, quand j'étais dans la marine, on a développé un avion qui est exactement dans le même concept, dans la même idée. Il dit, je pense que je suis capable de retrouver mes contacts dans l'armée, puis qu'on pourrait peut-être aller se renseigner et voir cet avion-là. Et peut-être trouver quelqu'un qui vole un de ces avions. Et avec qui on pourrait parler de la technologie de cet avion-là et les idées de Nikola Tesla. Donc ça, c'est l'Asprey, l'avion Asprey. C'est un bon point de départ, dit le biographe de Tesla, parce que c'est l'exemple d'un vrai plan, d'une vraie idée de Tesla qui se transforme en technologie.
Donc, ils vont me faire aller leur contact et ils sont en route vers justement cet avion vraiment fascinant. Et c'est de voir comment ces idées-là qu'on voit aujourd'hui de technologie actuelle, qui sont à l'origine des idées de Nikola Tesla. On est rendu à Clovis, New Mexico, au Nouveau-Mexique. Donc, Travis et Jason s'en vont vers une force, vers une base aérienne, juste un petit peu à l'extérieur de Clovis, au Nouveau-Mexique. Ils sont déterminés à essayer de trouver si l'armée américaine a utilisé des informations ou des idées de Nikola Tesla dans ces fameuses filières manquantes, dans la création d'armes et d'engins modernes, et même dans les systèmes de communication. Donc, dans ce but-là, ils ont arrangé une rencontre et une démonstration. Donc, une combinaison d'un avion et d'un hélicoptère, ce fameux Osprey américain. Et son concept de base est similaire à celui conçu par Nikola Tesla en 1927. Il dit, j'ai plein de questions à poser avec la fonctionnalité, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Donc, ils arrivent sur la base navale. Donc, ils sont avec le lieutenant-colonel Charlie Mosey de la USAF, United States Air Force, un officier opérationnel. Donc, ils sont dans le quartier général des opérations spéciales. Donc, c'est un officier d'opération. Donc, il y a un avion que vous voulez voir, je suis votre gars. Peut-être qu'on peut même aller voler avec, si vous voulez. Donc, il dit, je regarde je regarde vos degrés. Je pense que vous êtes le pilote aussi. Il dit oui. Donc, voulez-vous vous changer pour avoir des vêtements plus appropriés? Donc, ils disent oui. Donc, ils s'en vont vers ce fameux avion vraiment, vraiment étrange. Donc, c'est le CD-22 Osprey, c'est le fameux avion en question qui transporte des officiers, des soldats spéciaux dans et à l'extérieur et vers des missions vraiment dangereuses. Et c'est vraiment, vraiment un avion qui est unique et vraiment dessiné pour ces tâches-là. Parce qu'il peut fonctionner comme un avion et comme un hélicoptère. Vraiment fascinant. Dépendant des demandes et des besoins de chaque situation. Donc, c'est le fameux CD-22, un avion extraordinaire. Vous allez le voir, là, c'est fantastique. C'est le plus nouveau, en plus, qu'ils ont là, maintenant. Il dit, j'ai entendu parler de l'Osprey, nous dit Jason. Mais d'avoir la chance de venir ici et d'entrer dans le hangar pour la première fois et de le voir ici, c'est. Et l'échelle de grandeur de ça, c'est impressionnant. Est-ce que c'est fait de métal? C'est fait de fibres carbone et de composites? Donc, j'aime l'idée de comparer ça aux travaux de 1927 de Nikola Tesla. Et essayer de le lier avec l'Osprey. Si on peut lier les deux ensemble,
Ça peut prouver que le gouvernement utilisait les papiers, les travaux de Nikola Tesla, qui sont originales et qui appartiennent à Nikola Tesla. Donc, il dit, laissez-moi vous poser une question. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un croquis de Nikola Tesla de 1927 qui se ressemble essentiellement à une version vraiment rudimentaire de ce que vous avez fait ici avec l'Osprey. Est-ce que, combien est-ce faisable que cette histoire-là puisse fonctionner? Le soldat dit, le concept est vraiment innovateur. Il a conçu, il a trouvé l'idée de combiner avion et hélicoptère. Donc, le départ se fait comme un hélicoptère et après ça, on peut étendre les ailes. Mais il dit, le problème que je vois en tant que pilote dans ce concept-là, il n'y a pas de façon d'avoir de la puissance dans ce concept-là. Nous, dans notre concept, il y a deux propulseurs qui tournent et qui tournent et qui donnent de la puissance. Donc, c'est le fameux rotor. Ou un autre genre de propulsion. Et presque simultanément, avec l'invention de cet avion-là, hein, de Tesla, et on a eu cette idée-là que ça pourrait être effectivement utilisé pour des raisons militaires. Cette notion-là d'utiliser les avions a été testée dans la Première Guerre mondiale. Et on a vu les pilotes des deux côtés, hein, des camps ennemis. On les a vus utiliser, exploiter les avantages et les désavantages de l'aviation, de combattre dans les airs. Et c'est ces limitations-là qui ont amené Nikola Tesla et qui ont inspiré Nikola Tesla d'arriver avec ce design, ce concept, qui arrivait avec une espèce de moteur renversant qui pourrait voler de deux façons, de haut en bas et comme un avion. C'est vraiment hallucinant. Et pour être en mesure de voler à des vitesses confortables, mais qui était aussi capable de décoller et d'atterrir dans des espaces très petits, sans avoir besoin d'avoir une grande piste. C'était ça l'idée de Tesla avec son concept. Mais qu'est-ce qui fait que le design de Tesla est si renversant, c'est elle a été enregistrée avec un numéro de brevet en 1927. 12 ans avant le premier hélicoptère, imaginez-vous. Donc, pensez à ça. Nikola Tesla en 1927, déposer un brevet pour son appareil hélicoptère et avion 12 ans avant qu'on voit les premiers tests d'un hélicoptère. C'est incroyable. Quelles sont les chances que quelque chose comme on voit ici, l'Osprey, cet avion-là, quelles sont les chances que ça vienne de l'idée de Nikola Tesla? Le soldat dit, l'inspiration probablement provient de Nikola Tesla. Parce que ce que je vois là, et ce qui est remarquable à propos de ce que vous m'avez montré,
c'est pas vraiment les travaux de, qu'il y a là-dedans, mais c'est l'idée créatrice qui est là. Qu'est-ce qu'il essayait d'accomplir, Tesla? C'est, bon, naturellement, avec les connaissances qu'il y avait et les possibilités qu'il y avait, mais c'est l'idée qui est déjà là. Et de voir que peut-être que ce concept qu'on a aujourd'hui vient de Nikola Tesla. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est un peu long. Je m'excuse, mais je voulais le faire d'une seule traite. Un homme qui n'a pas fini de nous fasciner et dont on n'a pas fini de parler non plus et dont j'ai pas fini de parler parce que j'en parle. J'en parle quand même à l'occasion parce que c'est trop important. Donc, le lien est dans la boîte de description. Allez voir ça maintenant. Vous avez l'idée de... Parce que je suis allé hein, du début jusqu'à la toute fin. Là. Ça se continue un peu après, mais c'est de la répétition. Mais vous avez... Tout ce que je viens de vous expliquer, vous l'avez enregistré. Tu vas voir la vidéo, puis tu vas être capable de vraiment suivre tout ça. Fascinant, bien fait, un beau petit document, encore une fois, de la chaîne History que j'aime beaucoup. J'en ai d'autres. Ça va venir dans les prochains jours. Quand j'ai le temps, parce que vous voyez, c'est quand même assez long, puis il faut que je l'écoute plusieurs fois avant pour vraiment maîtriser le sujet, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de faire et pour vous permettre, les unilingues francophones, de pouvoir avoir accès à des documents vraiment fascinants. Je vous reviens probablement demain, parce qu'il est déjà 22h29, demain je travaille, passez une belle nuit, puis amusez-vous avec ce petit document-là fascinant. Et à plus.